Bonjour, je m'appelle Charlotte Tocco, je suis prof au cours Clément, je donne des cours d'impro et d'interprétation. L'improvisation, j'en ai fait comme tout le monde en cours de théâtre, et puis après je suis allée me former à Montréal. Et quand je suis revenue avec des camarades, on a formé une troupe qui s'appelait Pudding Dong, on a tourné pendant une dizaine d'années. Les cours d'improvisation au cours Clément, ça attire des élèves qui ont envie de s'amuser. Et parfois qui ont envie de faire du théâtre sans forcément avoir besoin d'apprendre un texte. On pose toutes les bases de l'impro. Je suis, je veux. Je suis qui, je suis où, je veux quoi. Ça, c'est vraiment la base pour qu'une impro fonctionne. Donc on pose toutes ces bases-là, l'écoute, ne pas dire non, tout ça. Je suis en train de faire un cours quasiment là, les gars. Qui nous permettent ensuite de pratiquer. On fait beaucoup de pratiques et de retours sur impro. Et c'est comme ça qu'on progresse en fait, en impro. C'est comme ça que ça se passe au cours Clément. Donc c'est important quand même d'être assidu. Et après, on a fait le cours troupe de façon à ce que ceux qui ont déjà les bases puissent commencer l'année sans avoir à reprendre tout à zéro. Oh waouh ! Je vais voir conquérir Ron maintenant. Ah non, moi j'étais pour la paix de base, vraiment pour la paix. Pour que les élèves puissent gagner de l'expérience et donc pratiquer devant un public, parce que c'est très différent en improvisation de pratiquer en entraînement, en répétition, en entraînement ou devant un public. Il y a plusieurs soirées au cours de l'année. On fait des tournois, on fait des petits matchs d'impro entre les différents cours d'impro. Ça, c'est vraiment très très profitable parce que ça permet aux élèves de se confronter au public. Ça fait que ensuite, pour le spectacle de fin d'année qui a lieu dans un théâtre en mode cabaret, etc., on pioche les thèmes du public, etc., à ce moment-là, ils ont déjà construit une confiance. Parce que c'est ça qui est important de construire en improvisation, c'est j'ai confiance en moi, je sais que je peux monter sur scène devant un public et que je ne vais pas perdre mes moyens et que quoi qu'il arrive, il y a mes camarades qui sont là, on joue ensemble, on construit ensemble. Etc. Et donc ça, c'est un gain d'expérience qui se fait comme ça par le petit tournoi qu'on organise au cours de l'année. Apprenti ! 1, 2, 3, il est là ! Si t'as envie de lâcher prise sur scène comme jamais tu pourras le faire en théâtre classique, viens faire de l'impro.